chant du coq, c'est d'abord un cheval qui a prouvé qu'il avait de la précocité, puisqu'il a emporté une course B en plat à 2 ans. Il a été ensuite exploité sur les obstacles, peut-être pas au niveau qu'il aurait dû atteindre parce que bah, tout simplement il était entier et peut-être pas très facile et que son entourage a préféré bah, vraiment mettre en valeur son pédigré, son potentiel génétique parce qu'il est issu d'un croisement fabuleux. C'est le frère de César Pallas, c'est le frère de Cocorico. C'est un croisement, une famille d'obstacles fantastiques et voilà, donc tout ça fait que sa carrière a été interrompue un peu tôt pour rentrer au haras. C'est un cheval qui est rentré au haras un peu course et qui aujourd'hui a enfin, vraiment changé. Il est devenu magnifique, il a pris, je sais pas, il a certainement doublé de volume en carrure, enfin bon, il est splendide. Et puis on est plutôt content de sa première production, puisqu'on a juste des yearlings maintenant. Mais on pouvait reprocher à Chant du Coq qu'il n'était pas forcément très grand. Et on a de la chance, il a l'air de produire des poulains avec de la taille. De la taille, de l'os et des ponts à plomb. Donc voilà, n'hésitez pas à venir les voir. D'ailleurs, on a très très beaux poulains même sur le haras. The astrological soul train getting down.